Retrouve aujourd'hui pour un haul spécial Nose et Jiffy. Donc tout d'abord, j'ai trouvé des rubans de la marque Dovecraft, donc spécial Noël. Donc voilà, alors si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc celui-ci, il y avait celui-ci, il y avait celui-ci sur lequel c'est écrit Let It Snow. Celui-là, je vous ai montré, c'est écrit Special Delivery. Donc désolé, hein, mon anglais est toujours aussi médiocre. Voilà, je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Hop, il ne veut pas. Bon. Celui-ci, c'est marqué Happy Christmas. Et celui-ci, c'est marqué Merry Christmas. Au prix de 50 centimes pièce. Donc j'en ai 4. Ensuite, j'ai trouvé des petits grelots. Donc il y avait doré et argenté. Et j'ai payé 75 centimes le sachet. J'ai également trouvé, toujours pour le scrap, des tags pailletés argentés. Et j'ai payé 59 centimes le sachet. Il y en a 16 dans un paquet, j'en ai trouvé qu'un seul. J'ai également trouvé des... comment on va appeler ça? C'est pas des stickers. Ça ne fait pas partie des chipboards, des étiquettes. Où c'est écrit Merry Christmas. Je les ai payés 59 centimes pièce. J'en ai pris qu'un sachet parce que j'ai Gwenaëlle. D'ailleurs, Gwenaëlle, je te fais un petit coucou et je te remercie énormément. Qui me les a trouvés dans son os, du coup, et j'ai reçu son colis. Par contre, j'ai encore pas eu le temps de tout sortir et vous montrer. J'ai plusieurs colis qui arrivent, donc je vous ferai un haul en vous montrant ce que les gentilles filles m'ont envoyé. Il y a beaucoup de choses de chez Nose. J'ai aussi réussi à avoir les dice de chez Action, puisque chez nous, il n'y avait pas, mais je reviendrai là-dessus plus tard. J'ai toujours de la marque Dovecraft. J'ai trouvé également des étiquettes, toujours sur le thème Noël. Voilà, j'en ai pris une planche et je l'ai payé 59 centimes également. J'ai trouvé toujours chez Dovecraft des étiquettes, cette fois-ci dorées, au prix de 99 centimes. Il y en a 15 à l'intérieur. J'ai trouvé... alors, je ne sais pas si c'est la marque de Dovecraft, ça. Non, c'est une marque que je ne connais pas. C'est la marque The Craft Blog. Donc j'ai trouvé des, voilà, des négatifs photos sur le thème hiver Noël. Il y en a 8 et je les ai payés 99 centimes. Oups, je vous fais bouger, excusez-moi. Ensuite, j'ai trouvé, alors par hasard dans un bac, ça n'avait rien à faire là, des badges de chez My Mind Eyes, toujours sur le thème Noël, au prix de 1,20€. C'était le seul, donc voilà. Après, j'ai trouvé des stickers Liège. Enfin, j'ai retrouvé des stickers Liège. D'autres que j'avais pas trouvé l'autre jour. Donc, toujours à 75 centimes, j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci. Désolée pour le bruit. Donc, celui-là, hein, je l'ai pris en deux fois. J'ai également trouvé celui-ci. Pareil, je l'ai pris deux fois. Donc dessus, il y a écrit Live Every Moment, Loud Every Day and Love Beyond Words. J'ai trouvé celui-ci. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc ils n'y étaient pas l'autre jour et là, ils y étaient. Donc voilà. Dans un bac à part, j'ai retrouvé des... carte pour journaling de chez Prima. Donc celui-là, je ne l'avais pas trouvé l'autre jour, au prix de 99 centimes. J'ai également trouvé du velcro en bande. Donc là, j'en ai pris deux.
Et c'était 50 centimes pièce. Ensuite, j'ai trouvé un support. Alors, pour eux, c'est un... Alors, ils appellent ça Portabook. Donc, c'est un support ou de téléphone ou de carte. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça peut faire un présentoir photo. Je vous montre le dos. Au prix de 99 centimes. Il y en avait plein. Je l'ai pris blanc. Il y avait noir ou rouge. Je l'ai pris pour le prix. Je vais bien voir ce qu'on va faire. Voilà. Et ensuite, je suis contente parce que j'ai trouvé le dies avec les chaussettes de Noël. Je vous montre le modèle ici. Et toujours au prix de 5,99€. Voilà pour mes dernières trouvailles de chinoise. Du coup, chez Jiffy, j'ai trouvé... Donc là, Jiffy, c'était... J'y allais spécialement pour trouver des choses pour Halloween. Donc chez Jiffy, j'ai trouvé une boîte de stickers en mousse. Donc il y en a 100. Avec plein de déco Halloween. Donc on va trouver... Je vais vous l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on va trouver des petits chats noirs. Des citrouilles pailletées. Des citrouilles toutes simples. De deux couleurs différentes. Alors, on va trouver également des petits fantômes, squelettes. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On va trouver Dracula. Qu'est-ce que j'ai encore? D'autres citrouilles. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je crois qu'il y a des petites étoiles. Ah, il y a des petites sorcières. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a des petites sorcières. On a des chapeaux de sorcières. Donc celui-ci. Et celui-ci. Il me semble que j'ai vu. Bon, je vous sors un peu tout. Et des petites étoiles. Il y a des chauves-souris aussi. Ben voilà, je savais bien qu'il me manquait. Voilà, des petites chauves-souris, comme ceci. Et des, pour finir, des petites étoiles. Un autre petit chat. En fait, il y a deux chats noirs. Et des petites étoiles orange, violette et verte, il me semble. Je regarde au fond de la boîte. Je crois que c'est tout. Donc des petites étoiles. Voilà, orange, violette et verte. J'ai trouvé également des petits confettis. Donc ça, c'était 1,30€, il me semble. Donc dedans, on va trouver des petites sorcières vertes, des petites citrouilles. Et le dernier, c'est des petites chauves-souris. Donc moi, c'est pour mettre dans mes shaker cards sur le thème Halloween. Grâce à Eternity pour toujours, elle l'avait mis sur sa chaîne. J'ai également trouvé moi aussi les washi tape. Il y a celui-là. Il y a ce lot-là. Au prix de 2€ le lot. Et enfin, pour terminer, chez Jiffy, j'ai trouvé des cartes pour Project Life. Donc là, il y en a 40. Par contre, ça reste relativement cher, je trouve. Pour un magasin comme Jiffy. J'en ai 40. Dedans, il y a tous ces modèles-là. Et j'ai payé ça 5€. Voilà, c'est tout pour le haul Nose et Jiffy. Je fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous!